le Seigneur bénisse. Nous avons temps de boire avec nos Bibles. Prenons le livre des Psaumes 39. On commence à partir du verset 2. Allons-y. Je disais, je veillerai sur mes voies de père de péché par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tué, quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur m'est consumé et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et à ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la tienne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi les regards et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prendre le numéro 179, ô vous qui n'avez pas la paix. Chancel le plus
aimerais voir exactement dans ton Père, ô Dieu puissant, Père céleste, ces fruits dignes de l'Évangile, ô Dieu puissant, dans les êtres humains. Ô Dieu puissant, qui se sent, tendre Père, Alpha et Oméga, Seigneur, placé, tendre Père, ô Dieu puissant, dans ta parole, qui se sent, tendre Père, mise à l'écart de ce monde, Père. C'est cela, tendre Père, mon désir profond, c'est ce matin, tendre Père. Thank you.
133. J'écris
la nuit, les jours, attends ma plaine, ô sois mon soutien. Céleste, c'est toi la source de vie intarissable. Comme tu avais dit à cette femme là au puits, ton Père, si elle te demandait de l'eau, tu la donneras, Seigneur, une eau, ton Père, à tel point qu'elle n'aura plus soif, ni besoin de pouvoir aller où tu puisses puiser, Seigneur. Parce que c'est toi la fontaine, Seigneur Jésus, de la vie. Ainsi, ce matin, nous sommes venus au devant de toi, non pas comme de pleins chars, mais nous venons comme des vainqueurs, Seigneur. Parce que toi, tu avais vaincu à la croix, et tu nous as donné aussi la victoire. Comme la Bible le dit, nous ne combattons pas, Seigneur, pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Seigneur, ce matin, tu as écouté la prière de chacun. Ô Dieu puissant Père, nous avons laissé nos occupations, tout ce que nous avons peut-être eu à l'idée de faire, Seigneur Jésus. Mais par ta grâce, par ton amour, tu as placé cette foi dans nos cœurs pour venir, Seigneur, nous rassembler au devant de toi. Et nous croyons, ton Père, lorsque toi tu fais de telles choses, ceci n'est pas un hasard. Ou ton Père, mon Dieu puissant, une chose qui est longue, ton Père a bien préparée. Mais cela, ton Père, vient de toi. Ainsi, tu connais les désirs profonds de nos cœurs. Tu connais les désirs, Seigneur Jésus, de chaque cœur ce matin. Le plus grand désir que nous pouvions avoir, c'est que tu nous parles. C'est que, ton Père, tu changes nos vies, tu nous conduises dans la vérité de ta parole. Parce que ton saint prophète est dit, Seigneur, que lorsque nous venons à l'église ou à ta maison, c'est afin de nous améliorer, Père. Ainsi, tendre Père, si nous n'avions pas eu un sujet à améliorer dans nos vies, nous ne serons pas ici, Seigneur. Mais laisse que ce matin que tu nous parles, tendre Père, et que nous sommes à l'expectative de ta parole, que tu viennes, Seigneur, au Dieu puissant dans nos vies. Bien-aimé, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a un problème, qui n'a pas de solution, ce matin, présente-toi comme la solution dans sa vie. Si, tendre Père, mon Dieu puissant, une maladie, ô Dieu puissant, Père, que toi, tu puisses être Jéhovah Rapha. Parce que, tendre Père, nous croyons à tes attributs. Et que si tu avais, tendre Père, planifié cela, c'est parce que ces attributs, tendre Père, a pour un truc bénéfice pour nos vies, Seigneur. Ainsi, ce matin, tendre Père, nous te prions ainsi, Père. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, Père, les prédicateurs, Seigneur, qui nous apportera la parole. Bénis, tendre Père, les chansons que nous allons chanter. Ainsi, bénis, tendre Père, chaque de tes enfants qui sont ici, ou ceux qui sont loin te suivent, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, viens au milieu de nous, parce que nous voulons ta présence. Car dans ta présence, Seigneur, il y a toujours la joie. Dans ta présence, Seigneur, il y a la bénédiction. Ô Dieu Tout-Puissant, aucune personne, tendre Père, a été auprès de toi, ô Dieu Tout-Puissant, et réparti les mains vides. Chaque personne, par rapport à son attitude, recevra toujours, tendre Père, les bénéfices de ta présence, Seigneur. Ainsi, nous sommes venus. Accorde-nous la grâce. Te prions ainsi dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le numéro 10. Jésus même dans ces mondes pervers. C'est mon pervers et agité, Seigneur, tu m'as cherché, tu m'as cherché et m'as trouvé. Ton amour est grand pour, oh oui, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime.
Oh, quelle que soit la souffrance, les mots guéris, je n'ai rien gagné ici-bas. Jésus m'aime, ça me suffit. Il m'aime, il est mort pour. Oh oui, Jésus m'aime, c'est vrai, il m'aime. Aime, oh oui, il m'aime, il est mort pour. Oh oui, Jésus m'aime, aime, c'est vrai, il m'aime. Aime, oh oui, il m'aime, il est mort pour moi. Oh oui, la couronne d'épines, tu l'as portée, Jésus, le roi des rois. La couronne des hontes, tu l'as portée pour venir mourir pour. Oh oui, Jésus m'aime, c'est vrai, il m'aime, il est mort pour. Oh oui, Jésus m'aime, oh oui, il m'aime, aime. Il est mort pour. Oh oui, la couronne d'épines, tu l'as portée, Jésus, le roi des rois. La couronne des hontes, tu l'as portée, pour venir mourir pour. Oh oui, Jésus m'aime, aime, c'est vrai, il m'aime, aime, oh oui, il m'aime, il est mort pour. Oh oui, Jésus m'aime, aime, c'est vrai, il m'aime, aime, il m'aime, il est mort pour. Oh oui, Jésus m'aime, aime, c'est vrai, il m'aime, aime, oh oui, il m'aime, il est mort pour. Oh oui, Jésus m'aime, aime, c'est vrai, il m'aime, aime, oh oui, il m'aime, il est mort pour moi. Nous allons prendre le 67, Mboka Pole, Pévitoko. Na pate ye mokolo Yesu ye ne ye.
boli munanza ambe akonye ngali bela imbana mukana muka oyo muka oyo yabasantu mwa na pate yemu polo yesu yende ye de boli munanza ambe akonye Ali Belam O Sima Si Manaba Pasi Si Manaba Pasi Nyo Soto Koko Mana Koko Mana Lola E Sikaya Mainabo Omo Toko Zwan Kimia Seko Imbana Mbuka Namuka oyo, muka oyo yabasantu mwa na pate yemu, polo yesu yende ye. Bolingo nanza ambe akonye, ngali ibela yemba namuka na muka oyo. Muka oyo yabapomo mwa na pate yemu, polo yesu yende ye. De bolingo nanza ambe akonye, ngali ibela otango tango yesu ako tango yesu ako zonga e kozala ese ngombo ka oyo ya kito oko e koza lali ibela imbana mbuka na Boka oyo ki, boka oyo yabasantu mwa na pate ye, polo yesu yende ye, ne bolingo nanza ambe akonye, ngali ibela yemba na mboka na boka oyo ki, boka oyo yabasantu mwa na pate ye. Olo Yesu yende ye, ne bolingo nanza ambe akonye ngali ibela. Nous allons prendre les mots 71, pourrions-nous à la rivière. Cette rivière, les rois sauveurs est à nous. Nous serrons la pluie des peines sous la gloire du trône. Oh, perfection, oui, nous allons nous rassembler, c'est vrai, à la merveilleuse rivière.
bassin à la rivière qui coulait du trône des dieux. Oh bien-aimé, oui, nous allons nous ensemble s'évrer à la merveilleuse rivière. Erre en Jésus avec tout le saint à la rivière qui coule du trône de Dieu. Au bord de cette rivière qui nous baigne de son eau, marcherons en adorant, ce sera un jour doré. Oh bien-aimé, oui, nous allons nous ensemble, oh oui, à la merveilleuse rivière, erre en Jésus avec tout le saint à la rivière. Oui, nous allons nous ensemble s'éveiller à la merveilleuse rivière. Erre en Jésus avec tout le saint à la rivière qui coule du trône de Dieu. Avant d'atteindre la rivière, posant tout fardeau, oh, oh, la grâce nous délivrera, nous donnera couronne et robe. Oh perfection, oui, nous allons nous ensemble s'éveiller à la merveilleuse rivière. Erre en Jésus avec tout le saint à la rivière qui coule du trône de Dieu. Oh perfection, oui, nous allons nous ensemble s'éveiller à la merveilleuse rivière. Erre en Jésus avec tout le saint à la rivière qui coule du trône de Dieu. Oh, à la source de la rivière, reflétant la face de Dieu, les cinq éléments ne s'épancheront la grâce qui saute. Oh, bien-aimé, oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière. Erre en Jésus avec tout le saint à la rivière qui coule du trône de Dieu. Oui, bien-aimé, oui, nous allons nous rassembler, c'est vrai, à la merveilleuse rivière. Erre en Jésus avec tout le saint à la rivière qui coule du trône de Dieu. Bientôt à la douce rivière, les voyages est fini et tous nos cœurs s'y réjouiront. La mélodie d'épée, oui, perfection, oui, nous allons nous ensemble s'éveiller à la merveilleuse rivière. Erre en Jésus avec tout le saint à la rivière qui coule du trône de Dieu. Oh bien-aimé, oui, nous allons nous ensemble s'éveiller à la merveilleuse rivière. Erre en Jésus avec tout le saint à la rivière qui coule du trône.
Yeswakoya koluka koluka nga Yeswakoya koluka nga Oui oyambaye oyambaye na motema oyambaye okolo Yesu na motema oyambaye oyambaye na Esengona yami okolo Yesu na esengona yami yami na esengona yami na esengona yami na esengona. Nous allons prendre un dernier cantique. Sépare mon âme du Sauveur. 159. Donc sans rien qui sépare,
sauveur. Ainsi je peux voir sa face bénie. Rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Ignore la voix et rien ne sépare. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous allez bien. Nous allons nous tenir debout. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 3. À partir du verset 16. Allons-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Corinthiens 13, verset 1 jusqu'au verset 13. Nous lisons. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante pas, sans le point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues s'insèreront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes dans un dimanche. Un dimanche où le monde entier est en train de célébrer la Pâque. Et nous avons cru le message du temps de la fin. Nous savons plus, beaucoup, en ce qui concerne la Pâque. Et nous allons juste parler d'une pensée. Je ne vais pas être longue. On va juste parler d'une pensée. Le message de ce matin s'intitule « Quand l'amour s'élance, la grâce prend la relève ». Avant de commencer, je remercie Dieu de nous avoir accordé la grâce de se tenir au devant de vous
Et je remercie aussi le pasteur pour la manque de confiance pour que nous puissions vous apporter la parole ce matin. Nous venons de lire dans Jean chapitre 3, verset 16, où la Bible dit que Dieu en tant aimait le monde, qu'il a donné son Fils unique. Unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Frère Branham a dit, donc quand l'amour s'élance, il dit ceci, c'est peut-être une des écritures les plus connues de toute la Bible. On s'y réfère souvent comme étant les textes d'or de la Bible. Et cette écriture parle de l'amour. Et j'ai eu le privilège de prêcher l'évangile dans beaucoup, beaucoup de pays païens. Et j'ai entendu les différentes théories, mais je n'ai pas encore vu quelque chose qui s'élève jusqu'à l'amour chrétien de Dieu. Personne ne peut expliquer l'amour de Dieu. Bien que beaucoup aient essayé, les poètes et les compositeurs de chants ont échoué. Les serviteurs de Dieu n'ont jamais pu expliquer. Amen. Il continue. Il dit ceci. Un poète écrit sur l'amour de Dieu ceci. Si les océans étaient tous remplis d'encre et les cieux un parchemin, si chaque tige sur terre était une plume et chaque homme un écrivain, d'écrire l'amour de Dieu mettrait à sec les océans. Et les rouleaux ne pourraient en contenir le tout. Quoi qu'étendu d'un bout à l'autre du ciel, j'ai souvent pensé au grand poète qui a écrit ceci. Depuis que j'ai vu par la foi la rivière née des blessures ruisselantes, l'amour rédempteur a été mon thème. Amen. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la Pâque. La Pâque, pour un chrétien, c'est le synonyme de l'amour exprimé de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Frère Branham a dit, quand l'amour s'élance et que l'amour arrive à la fin de sa force, c'est alors que la grâce souveraine de Dieu se manifeste. Il dit ceci, l'amour devrait gouverner les foyers. L'amour est la puissance la plus forte mise à disposition de l'homme. Un foyer qui n'est pas discipliné par l'amour n'est pas vraiment un foyer. Si le mari et la femme ne s'aiment pas profondément, ils ne peuvent pas avoir confiance l'un dans l'autre. C'est pourquoi je pense que au lieu de faire reposer notre foi sur quelques émotions, ce qui est en ordre, ou sur quelques dons, ce qui est en ordre, comme crier ou parler en langue, ou d'autres choses que nous prenons pour disant que nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque nous faisons cela. Il continue. Ces choses sont
en ordre. Mais si nous voulions revenir à ces principes, l'amour d'abord, ensuite les autres choses après. Si nous faisions cela, notre Église avancerait beaucoup plus rapidement si nous prenions Dieu premièrement, car Dieu est amour. Il dit ceci, maintenant, l'amour a deux significations différentes, avec deux mots différents pour l'exprimer. En grec, une sorte d'amour est appelé philéo. C'est l'amour naturel que vous pouvez avoir pour votre femme. Mais l'amour agapao veut dire amour divin. Bien, l'amour que vous avez pour votre femme et l'amour pour Dieu sont très opposés l'un à l'autre. Écoutez simplement ceci. L'amour que vous avez pour votre femme, si un homme l'insultait, vous le tuerez immédiatement. Mais cette sorte d'amour philéo, mais avec l'amour agapao ou amour divin, vous prierez pour l'âme perdue de cet homme. Voilà la différence. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Il a regardé la position de pécheur que nous étions. Excusez. Il a envoyé son Fils unique. Il est mort pour nous à la croix. Et frère Branham a dit, si vous avez l'amour agapao, vous prierez pour l'âme perdue d'un homme. Il dit ceci, il y a deux sortes d'amour. Deux sortes d'amour. Et je suis presque sûr que beaucoup d'entre nous se sont trompés. Ayant l'amour philéo, en pensant que c'était l'amour agapao. L'amour philéo est intellectuel, tandis que l'amour agapao vient du cœur. C'est l'amour humain, l'amour affectif et l'amour divin. L'amour agapao ne se pose pas de questions. L'amour humain résonne toujours. L'amour divin ne le fait jamais. Il est parfait dans sa confiance. C'est le parfait. Cela produit simplement la foi lorsque vous aimez réellement. Amen. Il dit, bien, lorsque devant une audience comme celle-là ce soir, de plusieurs centaines de personnes, quelqu'un dira, vous voulez dire que vous allez lire seulement ces petits versets de l'Écriture. C'est tout. Frère Branham a dit, « Oh, mais, mes amis, il y a ici dans ces petits versets de l'Écriture pour vous envoyer au ciel ou pour vous condamner à l'enfer pour toujours. Votre attitude envers ces petits bouts d'Écriture scellera votre destinée éternelle. Et si j'en avais les pouvoirs, je ne changerais pour rien au monde. Si on m'offrait tout l'or du monde et d'être le roi de l'univers et des millions d'années, je ne changerais toujours pas un seul mot de ces textes. Parce que c'est le verbe de Dieu. Et il ne peut jamais changer. Peu importe combien c'est court, c'est pareil. Cela contient en lui toujours la même
valeur que les livres entiers possèdent. Votre agissement ou votre attitude à l'égard de ces petits morceaux de l'Écriture scellera votre destination éternelle. Et si cette Écriture a tant de valeur, cela est largement suffisant pour que vous y, pour que nous y réfléchissions maintenant pendant un moment. Amen. L'amour de Dieu consiste à s'humilier. L'amour de Dieu consiste à avoir confiance à l'un et à l'autre. L'amour de Dieu, elle s'humilie en toutes choses. Elle est humble. Frère Branham a dit encore, il dit ceci, je m'en vais un peu vite. Il dit ceci au paragraphe 11. Il dit ceci. Paragraphe 11. C'est pas vrai, Michel avec les souris. Il dit, au temps de la révolution aux États-Unis, on dit qu'un soldat passant en cour martial à un moment pour un crime et il devait être fusillé au lever du soleil à une date précise. La veille, quelques-uns allèrent voir le fameux président et plaidèrent pour sa vie. Et comme le président était pressé, il attrapa un morceau de papier et écrivit dessus: je pardonne cet homme. Et il signa de son nom Abraham Lincoln. Et les porteurs emmenant les morceaux de papier à la cellule et dit à l'homme: tu es libre. Et alors, cet homme a dit: cela ne m'a pas l'air d'être officiel. Je n'y crois vraiment pas. Et je ne partirai pas d'ici. Il rejeta cela parce que c'était écrit sur le morceau de papier et pas sur une belle lettre à en tête ou quelque chose venant du président. Le lendemain matin, l'homme mourut selon la sentence sous la fusillade de l'escadron. Bien que le papier soit écrit de la main du président avec son nom, l'homme était pardonné. Et ils le fusillèrent après que le président l'ait pardonné. Et cela fut amené devant la cour fédérale. Et voici quelle fut leur décision. Qu'un pardon n'est pas un pardon, à moins qu'il ne soit reçu comme pardon. Dans l'amour de Dieu, il a envoyé au monde son Fils unique mourir pour nous pauvres pécheurs. Et cet amour nous a apporté les pardons. Frère Branham a dit, Jean 3,16 est un pardon. Pour chaque homme et femme mortel sur terre, yes, s'il est reçu comme pardon, mais s'il ne l'est pas, vous l'êtes toujours condamné. Quel pardon pour la race déchue d'Adam? Pour chaque homme et femme qui veut le recevoir, c'est un pardon gratuit pour vous et pour moi. Il dit ceci, l'amour que Dieu avait, l'amour est une force puissante. Et quand l'amour se lance, et quand il arrive au bout de sa force, alors la grâce souveraine prendra la relève à partir de là et accordera l'objet que l'amour a demandé. Voilà pourquoi nous avons un sauveur ce soir.
Et nous disons ici là, Dieu a tant aimé le monde et son amour projeté vers le monde a produit un sauveur. Dieu voulait tellement vous voir en bonne santé que son amour est sorti et a produit une expiation tant pour votre maladie que pour vos péchés. C'était l'amour de Dieu qui l'obligeait à le faire. L'amour est une force puissante. Il fera qu'une mère s'enfoncera dans les flammes pour chercher son bébé, même si elle sait que cela lui coûterait la vie. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Rien de plus fort que l'amour. Il n'y en a pas. Cela amène la confiance. Vous pouvez vous en aller en sachant que vous appartenez à la plus grande église de toutes les provinces du Canada. Vous savez peut-être que vous êtes un membre de la plus grande église du pays. Et alors, vous faites des choses que vous ne feriez pas si vous apparteniez à la petite mission quelque part dans un coin, en ayant l'amour de Dieu dans votre cœur. Il dit encore, l'amour n'a pas de crainte. Et si nous pouvons prendre 1 Jean chapitre 4, la Bible dit quoi ici? L'amour, un élément très important dans la marche chrétienne. 1 Jean chapitre 1, verset 4, 18. Chapitre 4. Chapitre 4, verset 18, il dit ceci, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte s'oppose à un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Le premier, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Frère, aujourd'hui, on ne s'aime plus. On peut être ici. On ne s'aime plus. Pourquoi? Il n'y a pas l'amour à l'intérieur. Et frère Branham dit, il dit ceci, paragraphe 15, ma femme est quelque part ici, ce soir. Je l'aime de tout mon cœur. Et quand je me prépare pour partir outre-mer, bien, quand serait-il si ma femme, si je la prenais dans mes bras et lui disais, écoute-moi bien, Madame Branham, quand je serai parti outre-mer, tu n'auras pas d'autre mari. Et si jamais j'apprends que tu as flirté avec un autre homme, alors que j'étais absent, malheur à toi quand j'ai reviendrait. Et alors, elle m'attraperait par le col de ma chemise et dirait, très bien, monsieur Branham,
Mais je vais te donner une consigne également. Si j'apprends que tu sors avec une autre femme, malheur à toi quand tu reviendras. Bien, serait-ce un foyer? Non. Eh bien, c'est ce que nous avons fait de l'endroit où Dieu veut demeurer. Plein de lois légalistes que nous devons observer. Que fais-je quand je pars outre-mer? J'aime ma femme. Et tant que je l'aime, j'ai confiance en elle. Nous nous agenouillons simplement et nous prions ensemble, prenant nos jeunes enfants autour de nous. Ils prient. Dieu prend soin de papa. Ramène-les-nous. Je prie. Dieu prend soin de ma famille pendant mon absence. Je me relève. Lui donne un baiser de revoir. J'embrasse les petits. Elle m'a dit, Billy, je prierai pour toi quand tu seras parti. C'est la règle, la question, nous n'y pensons plus. Frère Branham dit, et si j'étais outre-mer, sous la loi, je sais que j'aurais un divorce en rentrant. Si j'allais avec une autre, je serais un misérable. Mais si j'étais là-bas, peu importe dans quel état je serais, et si je savais que je pourrais la tromper et que le lui disant à mon retour, elle me pardonnerait cela, je ne le ferai pas de toute façon. Je ne la blesserai pour rien au monde. Non, monsieur. Même si je sais qu'elle dirait pile, je comprends. Je te pardonne. Je ne pourrai pas la regarder en face. J'ai une haute estime d'elle. C'est la confiance. Aujourd'hui, nous manquons de confiance l'un à l'autre. C'est parce que nous avons peur, la crainte. Et frère Branham dit, et je vous dirai ceci, frère, quand l'amour de Dieu vient dans le cœur humain, il enlève toutes ces choses. Vous n'avez pas à vous inquiéter de fumer, de boire et de subir des bioscopies. Quand l'amour de Dieu vient dans votre cœur, vous ne feriez rien au monde qui puisse les blesser. Amen. Vous n'irez pas ça et là en disant, ils sont étroits d'esprit et ils sont comme ceci et comme cela. Que l'amour de Dieu vous touche une fois et ces choses meurent. Toutes vos affections sont placées sur Christ. Alors vous avez la vie éternelle. Quand vous les croyez, lui, les croyez vraiment et que vous vous mariez avec lui, lui qui, Christ, que vous mourrez aux choses du monde. Il dit ceci, c'est lui qui m'aime doit faire quoi? Garder mes commandements. Amen. C'est lui qui aime Dieu doit garder ses commandements. Ces commandements doivent devenir des règles dans sa vie, ses devoirs dans sa vie. Il dit encore, Dieu projette son amour et son amour fait de vous ce que vous êtes. Amen. Oh, il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire à ce sujet. Si je vais tomber, l'école de ma chemise, puisqu'il était, et vous dire, ami Nadien, quelque chose de l'intérieur,
Je voudrais vous raconter un témoignage personnel. Suivez très attentivement, frères et sœurs. Si vous voulez bien m'en excuser, des choses de ma vie intime que j'ai découvert, parce qu'il semble que ce soit très approprié pour ces temps-ci. Amen. Ma vie n'est pas mystique, comme pensent les gens. Elle ne l'est pas. C'est de l'amour. C'est cela la chose principale. C'est aimer Christ. Pas seulement dire que vous le faites, mais l'aimer de votre cœur. Il dit ceci, j'ai vu les démons, les plus cruels être vaincus. Frère Branham nous explique comment il chassait les démons. Il dit ceci, c'est l'amour, c'est cela la chose principale, c'est aimer Christ. Car nous avons lu dans 1 Jean chapitre 4 qui dit que celui qui a l'amour ne peut pas avoir de crainte. Il dit ceci, c'est aimer Christ. Pas seulement dire que vous le faites, l'aimer de votre cœur. Ça doit être dans le cœur, pas dans la bouche, mais dans le cœur. J'ai vu les démons le plus cruel être vaincus. J'ai vu des animaux sauvages être terrassés dans la présence de l'amour de Dieu. L'amour bannit la crainte. Il dit ceci. Voici un petit témoignage est écrit dans ce petit livre. Un soir, à Portland, Oregon, j'ai prêché sur la foi. Et tout à coup, un homme très fort, d'environ 150 kilos, a surgi dans le bâtiment. J'ai pensé que c'était un coursier jusqu'à ce que je remarque que beaucoup de pasteurs, peut-être 150 ou plus, fuyaient tout simplement de l'estrade. Hein? Pasteur, il fuyait. Quand ils ont vu ce gigantesque homme, et quand il s'est mis devant moi, il m'a regardé en face, a lancé ses gros bras en arrière. Je ne savais pas qu'il s'était échappé d'un asile et il venait de frapper un prédicateur dans la rue et lui avait fracturé la mâchoire et la clavicule là-bas dans la rue. Et il y avait environ 6000 personnes présentes qui pouvaient rentrer dans les bâtiments alors qu'il pleuvait dehors. Et ces gars s'est rué vers l'estrade. Il m'a regardé et il a dit, « Toi, hypocrite, il a dit, t'es installé là comme si tu étais un serviteur de Dieu. Je briserai chaque os de ton corps. J'ai pesé 60 kilos et lui environ 150 ou plus. Et il faisait près de 2 mètres 50. Tout à fait capable de mettre ses menaces à exécution. Je savais qu'il y avait mieux à faire que de dire quoi que ce soit car il était très bien bâti. Mais lorsque je me suis tourné vers cet homme, amen, quelque chose s'est passé. Oh, si cela pouvait encore arriver, au lieu de déguerpir et de vouloir combattre cet homme, ou de faire appel à la police, je l'ai aimé. Amen. J'ai pensé, ce pauvre homme ne veut pas me blesser. C'est le diable. Si chaque croyant ce matin
Quand il y a un problème avec un frère ou une sœur, peut penser que c'est le diable qui est entré en œuvre. Il dit ceci, c'est le diable dans cet homme. C'est lui qui veut me blesser. Cet homme a probablement une famille qu'il aime. Il aime bien manger et être en relation avec d'autres et être un citoyen. Mais c'est le diable en lui qui fait ceci. Je pensais, ce pauvre frère, il s'est avancé tout près de moi et a dit, je vais te montrer si tu es un homme de Dieu ou pas. Eh bien, je ne disais rien. Je le regardais simplement. Tout était silencieux. Je venais juste de conduire deux policiers à Christ dans les vestiaires. Et hein, ils accoururent sur l'estrade pour l'attraper. Je leur ai fait un signe de la tête. Ce n'est pas un problème de chair et de sang. Et l'homme s'est dirigé vers moi et il est venu me crachant en face. Et il a dit, « Toi, serpent dans l'herbe, je briserai chaque os de ton corps et je vais te propulser au milieu de la salle. » Alors, hein, avec ses bras énorme. Je ne disais rien. Je n'avais pas plus peur que maintenant. C'est cela. C'est l'amour. Je n'étais pas là par ma volonté. Dieu m'avait envoyé là. C'était à Dieu de prendre soin de moi. Amen. Alors que je me trouvais là, je le regardez, je pensais, pauvre gars. Puis, lorsqu'il a levé son poing pour me frapper et que ces 6000 personnes retenaient leur souffle, il allait me frapper. J'ai dit, Satan, sors de cet homme. Premièrement, j'en oublie une partie, quand il m'a dit qu'il allait m'envoyer au plancher, j'ai entendu ma propre voix lui dire, « Ce soir, tu tomberas à mes pieds. » Il dit, « Je vais te montrer sur quel pied je vais tomber. » Et il a pris son élan pour me frapper. Et j'ai dit, « Satan, quitte cet homme. » Et il a jeté ses bras en l'air, ses grands yeux exorbités, sa bouche s'est grande, hein, s'est grandement ouverte. Il a tournoyé et tombé au sol et s'est planté à mes pieds, au point que les policiers ont dû les traîner pour les retirer. Amen. C'est quoi l'amour? N'ayez pas peur. Dieu vit encore. Je l'ai vu devant le défi de ces docteurs sorciers en Afrique avec tous ces hindouismes en Inde. Rappelez-vous, le diable vous forcera à donner la preuve de chaque centimètre de terrain que vous réclamez. Amen. Je dis encore, rappelez-vous, le diable vous forcera à donner la preuve de chaque centimètre de terrain que vous réclamez. Mais si vous aimez Dieu, il ne reste plus de crainte. Amen. Frère Branham dit, il dit dans, je crois toujours c'est dans ses messages, il dit ceci au paragraphe 29. Il dit ceci, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand l'amour est mis au bon endroit, il battra chaque ennemi
et tourments qui existent sur terre. Même s'il y a un problème, n'abandonnez jamais l'amour. Frère Branham a dit, il battra chaque ennemi et tourment qui existe sur terre. Amen. Peu importe. Bien, vous dites maintenant, frère Branham, j'avais réellement confiance en vous jusqu'à maintenant. Eh bien, laissez-moi vous dire, frère, nous aurons tous à répondre au jour du jugement. Et le Dieu qui a fermé la gueule des lions dans la fosse avec Daniel est toujours vivant aujourd'hui. Amen. Frère Branham dit, il dit ceci au paragraphe 39. Il était devant un taureau. Je pense que c'était la mer au poisson. Il dit ceci. On va un peu lire ça. Le miracle de la mer au poisson. Il dit, l'été dernier, monsieur Mercier, ici, monsieur Guad, qui est ici également, et plusieurs, ceux qui faisaient partie de la campagne et qui ne sont pas avec moi maintenant, nous étions assis sous la véranda. Une fille de couleur venait. Ce matin-là, il y avait eu le journal, hein, sur le journal, une histoire d'une belle jeune fille de couleur. Et elle avait mis au monde un enfant illégitime. Et elle a pris ce bébé, l'a enveloppé dans des couvertures et l'a ficelé. Puis, elle a appelé un taxi. Alors, elle est allée au pont sur le fleuve Oyo et a fait comme si elle jetait quelque chose. Et elle a jeté le bébé dans la rivière. Le conducteur du taxi l'avait rapporté aux autorités et ils ont fait des recherches et ont trouvé que c'était un bébé. Monsieur Mercier ici et Monsieur Guad, je les appelle mes prédicateurs étudiants. Si vous ne saviez pas qui ils sont, l'un est un catholique et l'autre, je pense, est un installateur d'appareils à vapeur. Et à eux deux, ils ont constitué un petit FBI pour vérifier si ces visions étaient justes. Et ils sont descendus en ville comme des personnes ordinaires. Et le Seigneur leur a tout révélé là même. Et ils sont devenus mes amis. Mes amis, et ils étaient assis sous la véranda et je les enseignais. J'ai dit, cette femme n'est pas une mère. Une mère ne ferait pas une chose pareille. Non, monsieur. J'ai dit, c'est une femelle qui a donné naissance à un enfant, mais elle n'est certainement pas une mère. Les titres de mère méritent plus que cela. Et alors que nous parlions, c'est alors que cet animal est passé dans la rue. Je ne sais pas si vous savez ce qu'ils sont par ici, ces animaux. C'était un opossum. Bien, j'ai vu à environ 200 mètres d'une forêt près de la rivière, il y a trois maisons entre moi et cette forêt sans clôture. Mais ma maison a une clôture. Et cette espèce d'opossum s'est avancée dans mon allée vers environ 10 heures, je suppose. Et j'ai dit, elle a la rage. Parce qu'un opossum, chacun le sait. Les opossums ne voyagent que de nuit. Quand le soleil se couche,
ils sortent et voyagent, ils ne voient pratiquement pas pendant le jour. Et voilà cet opossum en plein dans la chair et dans la chaleur de l'été, au beau milieu du jour, tournant directement et rentrant par mon portail. Monsieur Wood était autrefois témoin de Jéhovah et son garçon avait été guéri de paralysie infantile quand il avait sa jambe immobilisée. Maintenant, il ne pourrait dire de quelle jambe il s'agit, à moins que sa mère ne lui dise où le mal s'est trouvé. Amen. Monsieur Wood avait quitté ses affaires pour s'établir tout près de moi, devenant mon voisin juste pour être avec moi. Et il était en train de tondre les gazons parce qu'il avait vraiment poussé. Alors, Léo, Guenei et moi, nous avons couru dans le jardin. J'ai ramassé ces râteaux et je l'ai lancé sur l'opossum afin de l'arrêter. Et quand j'ai fait cela, elle a commencé à mordiller les râteaux. C'est inhabituel parce que l'opossum, normalement, quand vous le touchez, il joue à l'opossum. C'était là, hein, c'est là l'origine de l'expression. Il fait les morts. Et alors qu'elle était dans cet état, Madame Wood est arrivée avec Monsieur Wood. Et Madame Wood est vétérinaire. Et vu l'état de l'animal, j'ai dit, oh, je vois pourquoi. Les chiens l'ont attrapé il y a quelques jours où une voiture et cela a écrasé son épaule à gauche au point que cela a enflé. Cela s'est brisé et son épaule traînait derrière elle. Et c'est une chose dure à dire. Des mouches avaient fait gonfler la plaie et des vers s'étaient formés. Et j'ai dit, regardez cela. J'ai dit, c'est ce qui l'a fait lutter comme cela. Juste à ce moment-là, le laitier est arrivé et il était en train de la regarder. Et tous nous étions là autour. Et l'opossum et le kangourou sont les deux seuls animaux à avoir une poche dans laquelle ils portent leurs petits. Donc, la vieille opossum avait la poche relâchée, toute sa poche. Et 9 petits bébés opossum, tout nus, longs comme ça, rampaient sur le sol. J'ai dit, regardez cela. Bien, venez ici, Léo. Venez. J'ai dit, voici l'amour d'une vraie maman. Elle utilise son dernier souffle pour lutter pour ses petits. Alors que cette femme de couleur a jeté les siens dans la rivière. Voici le vrai et authentique amour d'une mère pour ses enfants. Et alors que nous la regardions, Madame Wood m'a dit, frère Branham, qu'allez-vous faire avec elle? Elle dit, ne voulez ... vous devez la tuer. Et elle m'a dit, prenez donc le petit et tuez-les rapidement. Parce qu'ils ont une bouche ronde et ils ne prendront pas les biberons. Donc, vous devez les tuer. J'ai dit, je ne peux vraiment pas. Alors, dit Madame Wood, allez chercher un fusil et abattez-la
Elle dit, je pensais que vous étiez un chasseur. J'ai dit, je suis un chasseur, mais pas un tueur. J'ai dit, je ne pourrais pas le faire. C'est une mère et elle lutte pour ses bébés. Je n'ai pas le cœur à le faire. Alors elle a dit, eh bien, faites-les donc faire, hein, faites-les donc par Banks, c'est son mari. J'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. Elle dit, vous n'allez pas me dire que vous allez laisser cette pauvre chose traîner là et souffrir. Cette femme était juste dans sa façon de penser. Étant vétérinaire, elle savait que par humanité, il fallait les tuer. Et j'ai dit, c'est juste, Madame Wood. Mais je ne peux tout simplement pas faire ça. Elle dit, vous allez la laisser traîner là, comme cela. J'ai dit oui. Et j'ai relevé les râteaux et elle s'est frayée un chemin jusqu'à ma porte. Et s'était fondrée là. Nous sommes montés là et nous avons versé de l'eau sur elle. En un instant, elle a semblé nous faire une grimace, comme un sourire des opossums. Le lendemain soir, après une longue journée de réunion, M. Wood a dit, M. Branham, les réunions ont été assez longues aujourd'hui, dit-il. Sortons et promenons-nous un peu. En rentrant des soirs, là vers 11h, voilà cet opossum, toujours couché là. En effet, elle était là, plus près de la mort que jamais. Je savais que si elle avait eu la moindre force, elle serait partie dès qu'il ferait sombre, car il se déplace la nuit. Mais elle était couchée là. Et ses petits essayaient toujours de téter. Oh, j'avais tellement pitié de ce pauvre petit animal blessé, couché là, en train de mourir. Et à ce moment-là, j'ai entendu ma petite Rebecca, qui est ici. Elle sera une petite fille spirituelle. Elle vient juste de recevoir sa première vision à l'école. Une fillette de 11 ans. Elle est sortie vers les porches, ma petite Rebecca, et elle s'est penchée pour voir cela et elle a commencé à pleurer. Elle a dit, papa, c'est une vraie mère, n'est-ce pas? Amen. J'ai répondu, oui, je l'ai poussée du pied. Elle avait encore de la rosée sur elle et les morsures des mouches. Elle a dit, papa, que vas-tu faire avec cette maman opossum? J'ai dit, chérie, papa ne sait pas. Elle a dit, tu vas la tuer, papa. J'ai dit, papa ne peut pas faire cela, chérie. J'ai dit, mon petit cœur, tu es debout trop tôt, juste avec son petit pyjama. J'ai dit, tu remontes et tu vas te coucher avec maman. Donc, je l'ai pressé à retourner dans la chambre. Je suis retourné dans mon cabinet de travail et je me suis assis et j'ai pensé, oh Dieu, combien cette pauvre maman opossum doit souffrir? Combien elle doit aimer ses petits? Et assis là, je pensais, eh bien, j'espère que je n'aurai pas à la voir être achevée. Et pendant que j'étais là assis, quelque chose m'a dit, tu as prêché hier à son sujet. Amen. Amen. Tu t'es servi d'elle comme sujet.
J'ai dit, c'est vrai. Tu as dit que c'était une vraie main. J'ai dit, c'est vrai. Et je l'ai envoyée à ta porte. Amen. Amen. Et elle est restée à ta porte comme une dame. Mm-hmm. Pendant 24 heures. Attendant son tour. Pour que tu pries pour elle. Amen. Amen. Et tu n'as pas dit un seul mot. J'ai dit, eh bien, je n'ai pas. J'ai dit, je parle à qui? Est-ce que je parle tout seul? Je me suis levé d'un bond et je pensais, oh, est-ce que c'est toi, mon Dieu? Et je me suis dirigé vers le porche. Et la petite Rebecca s'était née et regardait toujours la maman au possum. Elle venait de sortir de la maison. Je me suis dirigé vers l'opossum. J'ai dit, oh Dieu, je sais que tu connais chaque fleur. Tu connais chaque passereau. Étant donné cette chose horrible qui est arrivée avec la féminité, cette jeune et belle femme a tué son bébé. Et tu voulais montrer que tu peux même conduire les animaux. Et elle est arrivée et s'est couchée à ma porte, attendant son tour pour qu'on prie pour elle. J'ai dit, je suis désolé. Oh Dieu, d'avoir fait cela. J'ai dit, je ne le savais pas. Oh Dieu, je ne l'aurais pas fait main. Ai-je dit, si c'est ta divine providence et que tu as prévu cela et tu voulais que je prie pour cet opossum, je fais ceci. Hein? Je fais ceci dans le nom de Christ. Aide la père. Si son amour pour ses bébés est si grand, j'ai pensé, oh Dieu, voudras-tu faire cela? Et lorsque je dis cela, maintenant, cela peut paraître étrange. Cela est allé partout. J'ai reçu des lettres de l'Afrique, de l'Inde, de partout dans le monde à ce sujet. L'Associated Press, je crois que c'est eux. Ça n'est emparé. Et cette vieille mère opossum s'est relevé, a remis ses petits dans sa poche. Amen. Et elle est partie en traversant la pelouse vers l'allée, marchant comme les autres opossums, avec sa queue relevée, puis elle a tourné au portail, m'a regardé comme pour dire merci, gentil monsieur. Puis elle a traversé la route et elle est entrée dans le bois. Et pour autant que je sache, elle est heureuse aujourd'hui. Amen. Avec ses petits. Amen. Amen. Et frères, et les prophètes nous disent ceci, si Dieu a pu penser de cette manière à un opossum, à combien plus forte raison peut-il penser à vous ce matin? Lorsque votre amour est manifesté et qu'il se lance dans le cœur du Dieu vivant. Yes, sir. Amen. Amen. Si Dieu, simplement par un instinct, cet opossum n'avait même pas une âme, oh my, Amen. C'était un animal muet. Et si cela a pu être accompli dans cette manière par instinct, et que le Saint-Esprit a pu conduire une vieille maman opossum mourante jusque là pour que je prie afin que sa vie soit épargnée. Combien ne valez-vous pas plus qu'un opossum? Pourquoi êtes-vous venu ce soir pour qu'on prie pour vous? Où se tient votre âme à l'égard de Dieu? Voilà ma question.
Frère, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Et dans son amour, il s'est livré à la croix. Pour toi et moi. Afin que nous puissions être sauvés. Amen. Frère Branham a dit, dans que ferai-je de Jésus appelé Christ? Il dit ceci. Cet amour-là s'est lancé et il nous a envoyé Jésus-Christ. Si aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer la Pâque et ne connaissent pas nécessairement la signification de qu'est-ce que c'est la Pâque. Mais nous qui sommes dans le message, nous en connaissons au moins la signification. Et Frère Branham dit, il dit ceci, notre scène de ce matin commence dans le prétoire où Pilate, le gouverneur, est appelé sur la scène pour agir et rendre un jugement. C'était tôt le matin. Peu avant l'aube, il avait été dérangé dans son sommeil et il était appelé à instruire l'affaire de cet homme-ci. C'était le temps de crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'avait rien fait qu'on pouvait trouver en lui et il avait tout fait comme il fallait. C'était juste l'heure où il devait en être ainsi. Il dit ceci, rien ne peut arriver sans qu'il y ait quelque chose derrière qui fasse que ça arrive ainsi. Il doit y avoir une raison à tout ce qui arrive. En effet, c'est motivé naturellement par l'esprit qui est dans les êtres. Dans les êtres humains et autres, il y a un motif. Un motif à cela et un objectif. Il doit y avoir une raison. Et quand nous avons lu ces chapitres, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'était par motif d'amour pour atteindre un objectif pour nous sauver. Nous étions des pécheurs mourants, ne sachant plus le chemin. Mais lui, il descend. Frère Branham dit, il dit ceci, il dit, les pharisiens, je n'ai plus le paragraphe, il dit ceci, et ils pensaient, les juifs, pensaient Jésus-Christ doit venir selon leur propre pensée, alors que ce n'était pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est toujours de faire quelque chose avec humilité. Avec amour et humilité. Et c'est pourquoi ils ont manqué de les voir. Frère, l'amour est le thème principal de tout ce que nous devons faire. Peu importe ce que nous sommes, peu importe ta position, l'amour cache de nombreuses choses. L'amour cache les erreurs. Et j'aimerais que nous puissions lire avant de terminer dans Romains chapitre 15. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 15. Il dit ceci au verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain
pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Complaire, tirer gloire, nous qui sommes forts, à moi frère, je suis ceci, je suis fort, ne tire pas à ta propre gloire. Car Christ n'a pas tiré à sa propre gloire. Priez-en les uns pour les autres. Lorsqu'il y a une chose, que ce soit dans ta maison, dans l'église, laissons que l'amour puisse être au-dessus de tout. Pardonnons-nous les uns les autres. Laissons que l'amour de Dieu, qui est Dieu lui-même, soit ancré en nous. Soit le principal thème de notre vie chrétienne. Les chrétiens ne s'aiment plus. Les chrétiens vivent aujourd'hui par des humeurs. Des humeurs. Un chrétien n'a plus confiance à son frère, à sa sœur. Pourquoi les humeurs? Pourquoi des choses qui ne sont pas chrétiens? Lisons un peu dans l'amour divin. Frère Branham nous parle encore de quelque chose là-bas. Dans l'amour divin, au paragraphe 12. Il dit ceci, la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. Quand Dieu, au travers de l'amour divin, se projetant lui-même au monde pour sauver le monde, il n'eut pas d'autre résultat que la grâce souveraine, produisant un sauveur. Quand Dieu aime, quelque chose entre en opération. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'un sauveur divin est apparu. Sa grâce a pourvu pour ses sauveurs. C'était son amour au travers de sa grâce qui amena Jésus-Christ. Maintenant, dans les jours où nous vivons, comme dans tous les autres jours, il y a quelque chose en nous qui s'écrit. Quelque chose en nous qui soupire après Dieu. Vous voyez, nous sommes nés pour être fils et filles de Dieu. Souvent, nous essayons de satisfaire cette aspiration de notre cœur par l'éducation. Nous essayons de la satisfaire par des dénominations. Nous essayons de la satisfaire par des choses excentriques. Nous essayons de la satisfaire par une chose ou l'autre, mais cette aspiration ne sera jamais satisfaite jusqu'à ce que nous ayons l'amour divin de Dieu dans notre cœur. Amen. Premièrement, ce doit être l'amour. Paul a dit, si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale qui retentit. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères ou toute connaissance que j'ai, je m'excuse, ou toute connaissance, et que j'ai toute la foi, de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Aujourd'hui,
Frère Branham a dit, aujourd'hui, nous essayons de produire quelque chose par une dénomination, hein, par une éducation, par une organisation. Mais nous avons mis de côté l'amour divin. L'amour n'est plus. C'est la raison pour laquelle nous sommes si séparés. Chacun voit de son côté. Tant de choses sont fausses. Et il y a tant d'ismes parmi nous. C'est parce que nous avons mis de côté la chose principale qui produit ce dont nous avons besoin, l'amour. Il dit ceci. Il dit ceci. Bien, j'ai vu directement que quelque chose était faux. Avant de commencer là, il dit, il y a quelque temps chez moi, paragraphe 16, les jours avaient été réellement trépidants. Tant de personnes viennent pour me voir. Il y avait des gens à l'étage, au rez-de-chaussée, partout ailleurs. Finalement, que la soirée était bien avancée, quand tous furent partis. Quand tous furent bien partis, hein, partout ailleurs, finalement, alors que la soirée était bien avancée, quand tous furent partis, j'étais allé à la cuisine et là, c'était ma pauvre petite femme, sa tête cachée dans ses mains, pleurant. Il y avait Sarah et Rebecca sur le plancher se battant pour quelques jouets et le petit Joseph criait au plus fort de sa voix. Vous parlez d'une maison, une douce maison, là où ils étaient. Quand je fus entré, je mis les bras autour de la première petite dame de mon foyer et je lui dis, mon amour, qu'y a-t-il? Elle dit, Bill, cela me rend folle. Les gens se tenant aux alentours et argumentant, les uns disent que le Seigneur va te prendre ici. D'autres disent que le Seigneur veut que tu ailles là. Oh, c'est une telle confusion. Ces babins n'ont même pas une bouchée à manger durant toute la journée. Bien, j'ai vu directement alors que quelque chose était faux. Maintenant, vous savez, il y a une sorte de gens qui sont réellement de braves personnes. Seulement, c'est difficile d'être en leur compagnie. Sœurs, frères, nous parlons de l'amour. Écoutez bien le prophète. Il dit, maintenant vous savez, il y a une sorte de gens qui sont réellement de braves personnes, seulement c'est difficile d'être en leur compagnie. C'est juste. Pourquoi c'est ainsi? Ils créent cette atmosphère. Il y a une sorte de gens avec lesquels vous aimez vous trouver. Ils créent cette atmosphère. Maintenant, c'est une chose surnaturelle quand la présence du Seigneur descend. Il crée une atmosphère pour la foi. J'ai prié le Seigneur de m'aider et je dis, mon amour, tu sais quoi? Elle est juste une femme, vous savez. Elle aime les jolies robes et les livres de poche. Et toutes ces choses, elle ne les obtient pas toujours, mais elle les aime. Ainsi, j'ai dit, j'ai vu une des plus jolies robes
que j'ai jamais vu. Elle a dit, c'est vrai. J'ai dit, oui chérie. J'ai posé ma main sur ses petites épaules fatiguées et je lui ai dit, chérie, tu devrais la voir. Elle a dit oui. J'ai prié, Seigneur, sois bon envers moi et aide-moi. Je crois que tu vas faire cela. C'est ma petite famille. Et tous ces gens les ont bouleversés. Mais je sais que tu m'aideras. Maintenant, vous devez créer une atmosphère. Quand il y a un problème dans la maison, vous devez créer une atmosphère. Il dit ceci, votre foi en Dieu le fera. Ils étaient tous dans la chambre haute, en parfait accord. Quand là, soudainement vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. L'atmosphère était correcte. Vous savez que c'est la procédure régulière pour l'éclosion des poussins et de placer les œufs sous les poules. Mais mettez-les dans une atmosphère correcte et ils écloront de toute manière. Écoutez, frère, si un homme aime Dieu, qui aime, cela créera juste la sorte d'atmosphère pour produire un bébé nouveau-né. C'est l'atmosphère qui compte. Yes, sir. Que chaque groupe de gens ou chaque personne individuelle entre dans l'atmosphère parfaite et regardez ce qui arrive. Les pécheurs se convertiront. Les malades seront guéris. Et Dieu agira sur la scène. C'est pourquoi des milliers furent guéris durant une seule prière à Durban, Afrique du Sud. Quand les gens virent le Seigneur guérir quelqu'un sur l'estrade, cela créa une atmosphère qui se répandit sur tout l'auditoire. Alors ils pénétrèrent aussi en cela. C'était comme la piscine quand les eaux débordèrent. J'ai mis ma main sur son épaule alors que j'essayais de créer en mon cœur cette atmosphère. Je parlais au Seigneur disant, je suis heureux, je t'aime, tu sais que je t'aime. Je vais arranger ces petits problèmes et aider ma famille. J'ai dit, chérie, voici ce que nous allons faire. D'abord, que les babins aient un petit souper et alors je te montrerai où sont ces robes. J'ai pris mon tablier, je l'ai acheté autour de moi, je l'ai attaché autour de moi et j'ai commencé à l'aider. Alléluia. Alors que nous parlions, je regardais et vis que Sarah et Becky avait signé un traité de paix. Elle jouait aussi gentiment que possible. Le petit Joseph secouait juste son hocher et il avait du bon temps, s'amusait bien. Vous voyez, vous devez entrer dans l'atmosphère correcte, que ce soit dans ta maison. Même s'il y a un problème, crée l'atmosphère. Amen. Frère Branham a dit, frère Lindsay, beaucoup parmi vous le connaissent. C'est l'éditeur de la voix de la guérison. Et nous avons été des associés ces 10 années passées. Nous étions à Portland, Oregon. Un soir, et beaucoup d'entre vous ont lu l'histoire de ce maniaque qui a couru sur l'estrade pour me tuer. Et alors que ce colosse d'environ 150 kilos, frère Branham en parle encore ici, j'ai pesé environ une
soixantaine de kilos et il devait approcher, hein, approcher les 2,10 m. Avec des grands bras énormes, j'étais en train de prêcher sur la foi devant environ 6000 personnes. Quand cet homme colossal se précipita dans l'allée, là, descendit, sautant sur l'estrade, et les prédicateurs s'enfuirent comme des mouches. Je me suis demandé ce qui arrivait. Je pensais que peut-être quelqu'un était venu apporter un message à l'un des prédicateurs. Et je me suis tourné pour voir cet homme grand et gros, c'était né là, gonflant sa poitrine, grognant et me maudissant. Et il déclara, « Toi, hypocrite, agissant comme si tu étais un homme de Dieu. » Il disait, « Je briserai tous les os de ton corps. Ce soir, je vais te projeter en plein milieu de cet auditoire ce soir pour te montrer si tu es un homme de Dieu. » Je ne savais pas du tout qu'il s'était échappé d'un asile. J'ai su que par sa taille, il était tout à fait capable d'accomplir ses menaces. Je le regardais. Ordinairement, j'aurais été aussi effrayé que les restes d'entre eux. Mais savez-vous, ce qui arriva, oh, si seulement je pouvais toujours demeurer dans cela, quelque chose, au lieu de haïr cet homme, je me suis senti désolé pour lui. J'ai pensé combien cet homme ne voulait pas me frapper. Pourquoi? Il est un homme, comme je le suis. Et ce doit être le diable qui le fait agir. Des fois, nous nous condamnons les uns envers les autres. Nous sommes là, ah, un tel a fait ça, ah, un tel a fait ça. Si on peut avoir cette pensée du prophète, c'est le diable qui agit dans cet homme. Amen. Si on peut avoir cette pensée, amen. Amen. Il dit ceci, et ce doit être le diable qui les fait agir de cette manière. Les pauvres mortels, il s'avança rapidement plus près de moi et commença à cracher sur moi. Vous voyez, les diables essayaient de me chasser hors de cette atmosphère dans laquelle Dieu m'avait mis. Mais cela ne me tracassa pas. Je pensais comment les pauvres compagnons ne voulaient pas réellement faire cela. Et véritablement, ils n'auraient pas voulu faire cela de lui-même. Si le diable ne l'avait pas pris sous son contrôle, il tira en arrière son gros poing pour me frapper. Et chose étrange, je ne fus pas plus effrayé que je ne le suis plus directement maintenant. L'amour parfait chasse la crainte. L'amour parfait chasse la crainte. C'est ici, frères et sœurs, que sont accrochées nos différences ce matin. Frère Branham a dit ce soir. C'est ici, frères et sœurs, que sont accrochées nos différences. Ce matin, à cause de l'amour, du manque d'amour. Je ne parle pas d'amour terrestre. D'amour dénominationnel, d'amour sexuel, mais je parle d'amour divin. Cela nous rend frères. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que toi tu crois, nous restons frères. Peu importe tout ce qu'on peut avoir, nous restons frères. Alors, quand l'homme commença à vouloir me frapper,
j'ai entendu mes propres lèvres dire, Satan, parce que tu as défié les serviteurs de Dieu, devant cette grande assemblée, tu dois t'incliner devant moi. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, tu tomberas à mes pieds. Il dit qu'il voulait me montrer à quel pied il tomberait. Alors qu'il essayait d'accomplir ses menaces, j'ai dit Satan, quitte cet homme. Ses yeux sont devenus protubérants. Ses mâchoires se crispèrent. Ses mains s'élevèrent alors qu'il oscillait. Il tomba sur mes pieds. Qui fit cela? Ce fut l'amour. L'amour de Dieu. Il continue, il dit, je ne sais combien d'entre vous allez croire cette expérience, mais c'est la vérité. Combien? L'amour n'a pas de crainte. L'amour ne regarde pas dans les erreurs de ton frère. Paul l'a dit, nous qui sommes forts, si tu te trouves fort, ne t'en glorifie pas. Prie pour les faibles. Soutiens-les. L'amour, ce n'est pas en l'air. L'amour, c'est dans nos cœurs. Ça doit demeurer là. Rester là. Frère Branham a dit, quand il y a un problème avec ton frère, ta soeur, va vers lui. Amen. Va lui parler. Nous avons connu dans ces messages des mystères. On nous a prêché les sept tonnerres, les sept sceaux. Ce sont des grands mystères. Mais Paul a dit, même si je connaissais des mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si Frère Branham pouvait faire des miracles, c'était parce qu'il avait l'amour. Et quelque part, il dit, il était devant un homme. Il a dit, j'ai compati à sa douleur. Et Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé Jésus-Christ pour compatir à nos douleurs, à nos faiblesses. C'est grand Dieu. Il s'est fait chair. Il est descendu, habitant avec nous. Pour savoir quelle est notre souffrance. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse. J'espère que nous étions bénis par la parole. Merci beaucoup, frère Jean. Nous allons prendre le numéro 125, le Seigneur même. 120, excusez-moi. Le Seigneur même. Nous prions. Il est amour. Dans
souffrance sans espérance. Dans la souffrance, j'ai gémissé. Oui, j'irai toujours le Seigneur même, le Seigneur même. Il est amour, portant ma peine au mal ou des chaînes. Toujours le Seigneur.
172 Oyebi Thank you.
kozala kasena yo okolona nanga mokonzi ona ye mapena loba nasenge Nous avons besoin de ta voix dans nos vies. Et tendre Père, mon Dieu, tu puissant, la vie, Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a la charité dans son cœur. Cette charité qui est l'amour agapao, Christ est lui-même vivant en nous. C'est cela même, tendre Père, mon Dieu, tu puissant, comme Paul peut le dire. Ô Dieu, tu puissant, ils en sont en toi. Ô Dieu, tu puissant, Père céleste, mais la plus grande, Seigneur Jésus-Christ, c'est l'amour, le plus grand de ses commandements. À tel point que Seigneur, arrivé à la fin, Seigneur Jésus, dans Matthieu, tu as dit à ses disciples, voici, je m'en vais. Mais je vous laisse un commandement, aimez-vous les uns les autres. Ô Dieu, tu puissant, parce que toi, de ce même amour, tu nous avais aimés. Tu n'avais pas regardé, Seigneur Jésus-Christ, à ce que nous étions. Nous étions des pécheurs, des indignes, incapables même, tendre Père, de se tenir au devant de toi. Ô Dieu puissant, personne ne pouvait regarder, tendre Père, à nous, parce que nous étions sales, tendre Père. Aucun ange, aucun prophète, aucune personne, Seigneur, ne pouvait prendre la place de notre place, Seigneur Jésus, et d'accepter cette mort, ô Dieu puissant, douloureuse. Cette mort, tendre Père, Alpha et Oméga, que tu as peiné, où les gens t'ont cracheté sur le visage, disant que tu étais Belzéboul, tendre Père. Ô Dieu puissant, faisant de toi comme si tu n'étais que, ô Dieu puissant, n'importe quelle chose, Seigneur Jésus, qu'on devait traiter. Tu étais devenu comme si tu étais un paillasson pour nous, Père. Afin que nous puissions recouvrir de la vie. Afin que nous puissions retrouver, tendre Père, notre position. Alors que l'homme avait perdu sa position, ô Dieu puissant, bien avant des années, Seigneur. Mais toi, l'amour agapao, tu es descendu sur la terre. Tu as regardé cet homme, notre Père. Ô Dieu puissant, qui était tombé, Seigneur. Loin de la force, Seigneur Jésus-Christ, du péché. Tu as pris, tendre Père, ô Dieu puissant, la main de cet homme. De l'homme que nous sommes. Des femmes, tendre Père, ô Dieu puissant. Tu nous as fait sortir de cette force. Tu nous as tirés, tendre Père, entre les mains du diable. Afin que nous puissions, ô Dieu puissant, être aujourd'hui des bénédictions. Ainsi, Père, ce soir, nous sommes venus, cet après-midi, nous sommes venus au devant de toi. Père, de ce même amour que toi, tu nous avais aimé, laisse-nous aussi t'aimer de la sorte. Comme tu l'as dit, Seigneur, ce qui m'aime, c'est cela qui garde mes commandements. Ô bien-aimé Père, nous aussi, nous voulons produire le même amour. Christ est dans notre cœur. Ô Dieu puissant, afin de nous supporter les uns les autres. De regarder, tendre Père, mon Dieu, tu puisses l'autre, pas comme un ennemi, mais comme un frère, comme une sœur. Aide-nous à arriver, Seigneur, à atteindre, Seigneur, cette maturité. Parce que, tendre Père, dans la pyramide, Seigneur, il est commencé par la foi. Mais lorsqu'on arrive au sommet, nous voyons l'amour divin. Christ lui-même qui descend. Ô Dieu, tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, avec, tendre Père, ce livre, tendre Père, qui a été longtemps caché, Seigneur, il lui donne entre les mains de l'homme. Et lorsque l'homme regarde à l'intérieur, il voit son nom. Ô Dieu tu puissant, Seigneur, comme Jean pouvait plaire. Mais lorsqu'il écouta, tendre Père, que Seigneur Jésus-Christ, que l'agneau avait vaincu, et que tendre Père, mon Dieu tu puissant, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu tu puissant, le prix a été remporté à la croix. Ô Dieu tu puissant, il s'était réjoui, Seigneur. Nous aussi, nous sommes dans la joie de savoir ce que nous sommes aujourd'hui. De savoir que tendre Père, ô Dieu tout-puissant, que rien de ce monde, tout ce que nous pouvons faire,
Oui, bien-aimé, nous pouvons partager, nous pouvons dire des bonnes choses, mais si Christ ne demeure pas dans nos cœurs, cela sera en vain. C'est pour cela, bien-aimé, viens dans notre Père, te mettre dans nos cœurs, à cet âge de la Odyssée, où tu es en train de frapper à la porte. Comme tu l'avais dit, Seigneur, dans ta première venue, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme manque la place où placer sa tête. Bien-aimé Père, à ces temps de la Odyssée, les gens t'ont rejeté dehors. Mais nous, nous voulons que toi, tu puisses rentrer. Nous trouvons ton Père, où tu sois à la porte de nos cœurs, afin que toi-même, tu puisses siéger à l'intérieur et faire de nous de vrais chrétiens à ces temps si mauvais, à ces temps si corrompus. Bien-aimé Père Céleste, qu'est-ce que nous pouvons encore te donner en retour? En ce jour de Pâques, nous venons. Nous ne les fêtons pas comme le monde le fête. Nous ne les prenons pas comme le monde le prend. Mais tendre Père, au Dieu puissant Seigneur, pour nous, Seigneur, c'est une réflexion. Au Dieu puissant Père, c'est de nous dire, est-ce que réellement, cet amour que Christ nous avait sauvé, nous avons cru à cela? Est-ce que le pardon qu'il nous avait offert, nous avons cru à cela? Parce que le prophète a dit, Seigneur, la grâce est grâce pour celui ou bien celle qui, le reçoive, comme, qui la reçoive comme étant une grâce. Mais laisse que tendre Père, c'est pardon que tu nous as donné à la croix, que cela aussi puisse prendre place dans nos cœurs et que nous puissions accepter cela. Mais tendre Père, mets aussi dans nos cœurs quelque chose en montrant les disciples en priant, tu leur avais dit, Seigneur, pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Oui, bien-aimé, mets ces mêmes pardons dans nos cœurs afin que nous puissions aussi pardonner à ceux-là qui nous ont offensés, à ceux-là qui nous font du mal. Parce qu'aujourd'hui, la grâce, c'est de pouvoir, tendre Père, mon Dieu puissant, regarder l'autre, pas comme étant, Seigneur Jésus-Christ, un perdant, mais regarder l'autre comme étant un vainqueur. Oui, bien-aimé, nous avons besoin de toi. Ainsi, nous voici arrivés à la fin de ce culte. Bien-aimé Père Céleste, que toi, tu puisses nous accompagner durant la semaine que nous allons commencer. Au Dieu puissant, Père Céleste, les nouveaux mois que nous allons débuter, c'est moi, tendre Père, mon Dieu puissant, ô de résurrection. C'est moi, tendre Père, ô de puissant, Seigneur Jésus-Christ, de la vie, qui est le printemps, Seigneur, que ce mois puisse être un mois de bénédiction pour nous. Là où, tendre Père, il y avait des choses qui ne marchaient pas, quand toi, tu avais dit dans ta parole, comme les, même si les Gélèques, les Gazams, les Sauterelles, ô de puissant, ont tout dévoré, moi, l'Éternel, je restaurerai cela. Oui, bien-aimé, nous vivons dans un temps de la restauration. Et nous croyons que, tendre Père, en ce mois-ci, Seigneur, en cette semaine-ci, Seigneur, tu vas restaurer, tendre Père, tous ceux dont nous avons perdu. Ainsi, bien-aimé, nous nous remettons, tu as écouté la prière de chacun, que toi, tu puisses répondre à cela. Lorsque tu répondras aux autres, ne n'oublie pas, Seigneur Jésus-Christ. En toi, Seigneur, nous nous remettons et nous nous abandonnons. Bénis ton serviteur qui nous a prêché la parole. Que toi, tendre Père, tu puisses être avec lui, lui aimer encore davantage, Seigneur. Nous abandonnons aussi, Seigneur, ton serviteur là où il est, Seigneur. Que toi, tu puisses lui protéger, lui garder, lui bénir, Seigneur. Et nous qui sommes ici, nos frères et sœurs qui ne sont pas venus aussi, que toi, tu puisses leur garder, leur protéger, Seigneur. Au lieu qu'ils sont, quand tu nous mettras encore ensemble, nous ne manquerons pas à te glorifier, à te remercier. Nous te prions ainsi, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre les cantiques pour clôturer. Moi, Sion. Excusez, je vais chercher. 209.
Dieu seul sait juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêtent. Et j'irai habiter au Mont-Sion, oh un jour. C'est juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêtent. Et j'irai habiter au Mont-Sion. Un jour j'attendrai chanter les anges, la loin des ombres de la tombe. Du ciel sonneront, oh quand les saints chantent doucement, oh un jour, hors de la portée des mortels, un jour, Dieu saint sait juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêtent, et j'irai habiter. Au Mont-Sion, oui, un jour, hors de la portée des mortels, c'est vrai. Un jour, oh oui, Dieu sait, c'est juste. Où et quand les roues, mon roi, de la vie mortelle s'arrêtent. Et j'irai habiter au Mont-Sion. Un jour, je n'aurai plus de labeur, mes errances seront finies. Terrestre, les brisés rétablis, oh, mes soupirs et pleurs cesseront. Oh, un jour, hors de la portée des mortels, un jour, Dieu seul sait juste. J'irai habiter au Mont-Sion, oh un jour, hors de la portée du mortel, un jour, Dieu sait c'est juste où et quand les roues, mon roi, de la vie mortelle s'arrête. Et j'irai habiter au Mont-Sion. Je sais, c'est fond, oui, et la nuit obscure passera. Tous les fardeaux de la vie ôtés, oh, et poindra le jour de repos. Oh, un jour, hors de la portée des mortels, c'est vrai. Un jour, oh oui, Dieu sait, c'est juste. Où et quand les roues, mon roi, de la vie mortelle s'arrête. Et j'irai habiter au Mont-Sion. Oh, un jour, hors de la portée des mortels, c'est vrai. Un jour, Dieu sait, c'est juste. Où et quand les roues de la vie mortelle s'arrête. Et j'irai habiter au Sion. Oui, bien-aimé Père Céleste, un jour toutes choses vont s'arrêter, mais seule ta parole demeurera éternellement. Bien-aimé Père Céleste, comme toi tu es la parole, nous voici, Seigneur Jésus, encore une fois devant le trône. Nous venons te remettre, tendre Père, ces offrandes que tes enfants t'ont apportées. Que toi, tu puisses bénir chacun d'eux, Seigneur Jésus-Christ. Et souviens-toi à ceux qui ont manqué, Père. Alors que nous avons fini, tendre Père, ces cultes, va avec nous, tendre Père, et conduis-nous. Nous nous remettons entre tes mains, nous te prions ainsi, dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, bénisse.
sommes arrivés à la fin de ce culte.